Salut à vous tous, bienvenue dans le 43e journal de la bande dessinée spécial confinement avec aujourd'hui une dessinatrice, illustratrice. Elle fait de la bande dessinée, elle vient de recevoir le Grand Prix Andersen qui réunit en fait toute sa carrière. Vous avez deviné, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Albertine. Bonjour Albertine. Et bonjour Paul, comment vas-tu ? Mais ça va bien, je te remercie beaucoup de nous accueillir chez toi et encore félicitations pour ton prix. Ça fait des années que je t'admire, ça fait des années que j'adore ton univers et tu es enfin récompensé à sa juste valeur. Merci, merci beaucoup, merci, je suis ravie, hyper touchée et tellement surprise encore. Oui. Et comment se passe ce confinement pour toi ? Écoute, je pense comme tout le monde, il y a eu des hauts et des bas. J'ai une chance folle, c'est d'habiter dans une maison en pleine campagne, donc avec un jardin et un atelier. Donc, j'ai pas besoin de me déplacer pour travailler. Je suis directement dans mon atelier à la maison. Je travaille avec Germano, on a une communication naturelle au fond entre le travail et la vie privée. Donc, j'ai pas ressenti une grande souffrance. Quand bien même, je suis tout à fait consciente de ce qui se passe et je crois qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Ça, c'est une évidence pour tous, hein. Et toi, tu es illustratrice, tu es dessinatrice de bande dessinée. Moi, je t'ai découverte et rencontrée avec Martha Lavache, la joie de lire. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça fait depuis ces années-là que je te suis. Et toi, tu as créé un graphisme qui est impressionnant et qui est superbe. Ah ben, je te remercie. C'est vrai qu'on se connaît depuis une belle lurette. Hein, oui. On se croisait au Salon du Livre avec beaucoup de joie et de plaisir. C'est vrai qu'il y a un parcours. Là, je pourrais dire qu'il y a vraiment un parcours depuis 25, puisque je crois que Martha, on avait 25 ou 26 ans. J'en ai 25 ou 26 de plus. Donc, ça fait longtemps, longtemps. Et puis, voilà, il y a un parcours, il y a une évolution comme chacun de nous. Une évolution dans le trait, une évolution aussi dans la façon dont on a envie de raconter les choses aussi. Hein. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que tu t'es aussi bien amusé dans la bande dessinée que dans l'illustration. Moi, je me rappelle de Lucette cherche un amoureux avec Germano Zulo. Et c'est vrai que c'est génial parce que c'était la planche de BD qui passait dans le journal féminin, si je ne me trompe pas. Mmh, et après, qui est sortie en bande dessinée. Alors ça, c'était une commande, il fallait faire une BD chaque semaine. C'était un sacré boulot et on avait trouvé, comme c'était un journal féminin, on avait trouvé une sorte d'anti-héros féminin, une Lucette qui a le cœur sentimental et qui avait envie de trouver un Jules. Puis ça se passait jamais bien, elle ratait le coche. C'était aussi une manière aussi de se moquer un peu d'elle quand même et puis de son côté critique, trop critique, de vouloir trouver l'idéal et puis ces messieurs qui étaient un peu branquignoles quoi. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'était un bel exercice, hein. C'est un bel exercice la presse de toute manière. Et on peut dire que tu as une touche à tout parce que dans l'illustration ça m'était plus loin, ça m'était jusqu'au dessin animé, je pense au génie de la boîte de ravioli. 2014, j'ai reçu un grand prix à Annecy, le prix de Canal+, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que c'est génial parce que c'est toi qui as travaillé sur ce dessin animé. Alors, je n'ai pas travaillé sur le dessin animé, c'est Claude Barras, qu'on connaît tous maintenant, qui est venu nous voir en disant « Voilà, j'aime votre univers et j'ai envie d'utiliser une de vos histoires. » On lui a montré comme ça les albums et puis il a dit « Le génie, ça me plaît. » Donc, avec toute son équipe, il a travaillé. Et nous, on a eu des feedbacks sur l'adaptation, parce qu'il y a toujours une adaptation hein, entre un
dessinée ou un album et un film ou un film d'animation, on est dans un registre encore un peu différent et ça demande des adaptations. Et puis après, on a voulu faire une série érotique avec Oui. Claude. On a fait un petit pilote qui s'appelle Chambre 69. Et puis on a cherché des financements et tout. Mais c'est vrai que les télés étaient un peu frileuses et ne voulaient pas trop se lancer je dirais dans ce type de film qui était un érotisme plutôt soft et assez poétique. Mais là, j'ai co-réalisé avec David Toutevoix, qui est dans l'équipe de Claude, qui est leur chef opérateur, de grand talent, La Femme Canon, tirée une BD avec Germano. Là, j'étais sur le terrain un peu plus quand même. J'ai vu ce que c'était que cet énorme travail en stop motion. C'était une aventure. Et c'est vrai que c'est génial l'alchimie que vous avez les deux avec Germano, parce qu'en même temps, bah, vous écrivez pour les enfants, vous écrivez pour les adultes, vous complétez bien aussi bien bah, dans la vie que dans l'écriture, c'est fabuleux. Mais tu sais, je crois qu'on fait pas, quand on écrit, on ne pense pas au public. On ne pense pas qu'on va faire un livre pour la jeunesse ou si on va faire un livre pour les adultes, etc. On a envie de raconter une histoire. Cette histoire, c'est comme ça. Ça sera comme ça, cette histoire. On veut qu'elle soit comme ça. On va vraiment, c'est une recette de cuisine, quoi. On va vraiment la travailler, on va l'étirer. On va essayer d'en faire quelque chose comme ça qui tienne debout. Et puis après, on a des éditeurs qui nous aiment et qui croient en nous et en qui on est fidèle, qui fait que, voilà, tout à coup, on se décide, mais de donner ce type de livre à la joie de lire ou autre. Mais en tout premier lieu, je crois que c'est très égoïste. On est tous très égoïstes, je crois, en tant qu'auteur, illustrateur, on le fait pour nous au départ. Puis après, ça c'est la magie, et puis c'est ce que les lecteurs nous rendent après, et ça c'est magique, hein. Et il y a plein d'albums que j'adorais, il y a aussi l'imagerie d'Albertine, il y a les robes, il y a À la mer. Et je trouve génial parce qu'on retrouve tes personnages, ton univers, et chaque fois qu'on est plongé dans un livre, ben on rêve avec toi. Ben, c'est sympa. Je suis ravie que les livres amènent ça, que tous les livres amènent ça, que quelqu'un puisse piocher, piquer quelque chose de particulier ou de singulier dans l'image ou dans le texte de Germano. C'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'un adulte va y voir certaines choses et un enfant va peut-être plonger dedans d'une autre façon. Il faut se laisser le temps d'être habité par un livre hein, et puis de s'y plonger. Et puis voilà, et puis il y a des strates de lecture. Et puis nous, on essaie tout le temps de laisser, enfin, on a envie de laisser ouvert les fins. On a jamais envie de fermer une histoire. On n'a jamais envie de la bloquer, de la cloisonner. Hein. On a besoin qu'il y ait du vide, qu'il y ait du silence comme ça, autour des images. Autour des dessins, des textes, et puis pour laisser aussi voilà, cette part au lecteur. Et en même temps, ce qui est génial avec toi, c'est que tu fais de la sculpture, tu as fait des robes, tu as fait plein de choses qui sont des superbes objets aussi. Ça veut dire que tu as besoin, en fait, de voir ce que tu dessines en 3D? Ouais, absolument. C'est une continuation, c'est un fil comme ça que je tire tout le temps. Et puis j'essaie de mettre des anneaux comme ça, hein, et puis voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que faire un dessin et puis voir que tout à coup la robe que tu dessines, tu la fais en faire en vrai par des couturières professionnelles, et tu vois que tout à coup quelqu'un peut porter cette robe, hein, et que ça marche en fait, que le volume existe, que c'est là en chair et en os, c'est extraordinaire. Même chose pour des objets, pour des personnages qui bougent, pour l'animation, voilà, pour tout ce qui tourne autour du dessin et de la forme, etc. Et dès le moment où on sort le dessin d'une feuille de papier et qu'on la met en volume ou qu'on la, voilà, ou qu'on la sculpte ou qu'on la projette, eh bien, il y a la relation à l'espace qui est questionnée, il y a la relation
au volume, au fait de tourner physiquement autour ou non, comment on regarde les choses. Et ça, c'est passionnant, passionnant. Et en même temps, c'est magique parce qu'on se promène à travers ton œuvre. Alors, peut-être, tu sais, moi, je ne sais pas ce que les gens ressentent. Je suis très... là, je reçois une pluie de messages. J'ai l'impression de revivre, d'avoir, tu sais, il y a ce confinement, alors on a tous été au ralenti. Et puis tout à coup, paf, tout arrive en même temps, puis j'ai l'impression d'avoir le cœur qui bat très très fort comme ça. Et du coup, je me rends compte en effet de l'importance d'un dessin. Et ça, c'est fabuleux. Parce que quand on est dans le travail, on est seul, hein, on écoute la radio, on est un peu dans nos grottes quand même. Hein. Alors ça, c'est un souffle quand même extraordinaire de recevoir toutes ces congratulations, comme on dit, tout cet amour. Ah oui. Et là, le dernier livre qui va sortir avec toi et Germano, si je ne me trompe pas, c'est Roberto et la gélatine. C'est Roberto et Gélatine. Et gélatine, ouais. Ouais, et Gélatine. Alors, c'est le deuxième volume, Oui. deuxième tome. En fait, c'est un livre qui parle justement de l'imagination et de la liberté de jouer. Et c'est une petite fille de 4 ans qui a son grand frère qui, lui, veut devenir un grand écrivain très sérieux. Et elle vient l'emmerder autour de son ordinateur pour qu'il lui raconte une histoire ou pour qu'il joue avec elle. Et il va se passer un truc, c'est que lui, il veut jamais, il rechigne, et puis elle l'embarque quand même. Et puis, de page en page, on se rend compte que l'imaginaire de cette petite fille vient même, entre dans la réalité et happe son grand frère. Ça, c'est le prochain album. Et puis, moi, je fais un album seul aussi, qui s'appelle Séraphine, hein, pour le prochain. Ah, superbe. Plein de projets, on a un truc aussi avec Germano, on a encore plein d'albums en route. On travaille un peu sur plusieurs choses en même temps. Oui. Alors, superbe. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'est très gentil. Je remercie et puis je vous embrasse tous très fort et puis vive le dessin, vive la création et puis restons intelligents. Oui. Et très attentif à ce qui se passe et ne nous laissons pas trop 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 influencer par des choses qui sont pas forcément très jolies. Non. Voilà. Et puis, au plaisir de te revoir en live. À bientôt, Paul. Je t'embrasse très Merci fort. beaucoup. Moi aussi. Hein. Bye bye. Merci. Ciao.